Orgelet, dont le Jura fêtait aujourd'hui son anniversaire. Il y a 750 ans, jour pour jour, le comte de Châlons signait l'acte fondateur de la ville, une charte de franchise définissant les droits et devoirs des habitants. Au programme, reconstitution historique, foire aux bestiaux et bal populaire. Nous, Jean de Châlons. Orgelet, le 14 août 1266, le comte de Châlons signe la charte de franchise. Le servage est aboli. Ce document est l'acte fondateur du village. Orgelet est la troisième commune de Franche-Comté à bénéficier d'une telle charte. Au milieu du XIIIe siècle, en fait, beaucoup de villes se sont émancipées de la tutelle de leurs seigneurs. Les comtes de Châlons, qui étaient seigneurs d'Orgelet, pour attirer des habitants de la ville, leur ont donné un certain nombre de libertés pour faire venir dans Orgelet, comme dans les autres villes auxquelles ils donnaient des franchises, des artisans, des commerçants auxquels ils accordaient un certain nombre de libertés. L'histoire est racontée grandeur nature par une association de reconstituants et surtout par des habitants. C'est très agréable, on a le soleil en plus, et puis c'est convivial, tout le monde a tout le monde s'y met, tout le monde est partant, c'est très bien. C'est quoi votre rôle à vous ? Alors moi je suis une bourgeoise. Ce 750e anniversaire est bien sûr l'occasion d'approfondir ses connaissances. On va lire ce soir, on va retravailler un peu la question, surtout comme on n'est pas loin, on va aller regarder dans les bouquins. Voilà, compléter notre visite. Mais il s'agit surtout d'une grande fête populaire. Petit clin d'œil à Cadet-Roussel, né dans le village, et foire aux bestiaux, comme au 19e siècle, ou presque. Les touristes ont remplacé les acheteurs. On n'est pas de la région, on est de la Côte d'Azur. Donc voilà, ça, c'est super agréable, on vient juste d'arriver, il y a beaucoup de monde, c'est super sympa de pouvoir de voir tout ça, de voir tous les animaux, de pouvoir montrer aux petits, parce que comme on est de la ville, on n'a pas toujours l'occasion de voir des vaches et des poulets comme ça, mais c'est super sympa. Et ce soir, la fête continue à Orgelet. Les organisateurs espèrent rassembler 2000 personnes.